We sing a lang a say. On se retrouve pour la sixième vidéo et du coup moi je compte les jours avec impatience, mais voilà, bon, c'est pas tous les jours non plus que j'ai envie de sortir faire la fête et d'aller me promener et tout ça. Aujourd'hui c'était dimanche, je suis restée tranquillement à la maison, j'ai dormi toute la journée, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Aujourd'hui je voudrais qu'on parle un peu parce que je me dis bon, il y en a qui arrivent peut-être dans le pays, il y en a qui vont tomber sur cette vidéo et qui auront peut-être besoin de ces conseils, parce que dans cette vidéo je vais parler de 6 ou 7 conseils pour vaincre le mal du pays. Parce que j'imagine pour beaucoup d'expatriés, en fait, quand ils se retrouvent dans un pays étranger et qu'ils vivent longtemps dans ce pays, à un moment donné ou à un autre, on va forcément éprouver le mal du pays. Alors, je vais donner quelques astuces que moi, en fait, qui m'ont servi à moi pour voilà, vaincre le mal du pays lorsque ça m'est arrivé. La première astuce et la plus importante, je dirais, c'est de rester en contact avec la famille, avec des gens de son pays. De rester en contact, franchement, de continuer d'avoir une fréquence d'appel, par exemple, pour se rassurer si la famille va bien, tout ça. Et moi, ça m'a beaucoup aidé en fait que ma famille continue de m'appeler, que mes amis continuent de prendre de mes nouvelles,
tout ça, ça crée une espèce de lien, ça rassure et voilà quoi. On a besoin de ça à un moment donné dans notre vie, de savoir que on appartient à un tout et que voilà, on continue d'être dans les pensées des autres. Moi, ça m'a aidé d'appeler fréquemment ma famille, voir tous les week-ends, ça dépend, chacun, tous les jours pour ceux qui sont très, très, très proches et qui en ont vraiment besoin. Mais moi, tous les week-ends, ça m'a suffi pour voilà, m'aider à vaincre le mal du pays lorsque j'en avais. La deuxième astuce, c'est de se rassurer ou alors de se réconforter avec quelque chose qui vous lie au pays. Moi, j'ai plusieurs petits, par exemple des bijoux d'origine du pays que j'aime bien mettre certains jours, comme le bracelet que j'ai là. Je l'aime beaucoup parce qu'il me rappelle un peu les perles spéciales qu'on fait à l'ouest et mon père en avait. Du coup, moi, non seulement ça me rappelle mon papa, mais également ça me rappelle le pays. Donc voilà, j'aime beaucoup avoir des petits bijoux comme ça qui me rappellent d'où je viens tout le temps. Et maintenant, ça dépend de chacun. Vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, une peluche ou par exemple un tableau avec une image d'une région particulière de votre pays. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, de temps en temps faire des plats d'originaire de chez vous pour vous réconforter un peu aussi, ou bien aller dans des restos si vous êtes africain, des restaurants africains, si vous êtes palestinien, italien, espagnol, bref, aller dans des restaurants qui font de la cuisine de chez vous. Ça vous donne un peu un point, ça vous donne un point d'attache et aussi ça vous redonne un peu de baume au cœur. Voilà, donc la deuxième astuce, c'est de se réconforter avec quelque chose qui rend un peu plus vivace le souvenir que vous avez de votre pays. La troisième astuce, peut-être c'est la plus importante, c'est de continuer de prendre soin de soi. C'est vrai qu'on a le mal du pays. Et moi, j'ai remarqué que ça m'arrivait souvent en hiver. J'avais pas envie de bouger, pas envie de sortir. Et c'est généralement, ça arrive quand on a le mal du pays. On aimerait être chez soi. On aimerait vraiment être à la maison. Mais voilà, on peut pas à chaque fois. Et donc, à ce moment-là, il faut prendre soin de soi. Il faut continuer toujours de prendre soin de soi de manière physique ou mentale. Parce que, bon, c'est vrai que ça passe beaucoup par le mental, en fait. Parce qu'en faisant du sport, par exemple, en ayant une activité sportive régulière, ça vous permet justement de garder une certaine santé mentale. Ça, c'est déjà prouvé. Donc, ayez plus, à ce moment-là, des activités physiques. Si vous n'avez pas l'habitude ou bien de respecter une fréquence voilà, pour le sport, pour la pratique du sport, bah vous pouvez à ce moment donné faire de la marche à pied. En même temps, ça vous permet de visiter un peu le coin. Du coup, bon, si les conditions ne sont pas propices, comme par exemple en hiver ou bien quand il pleut, hein, bah vous pouvez faire ça chez vous, vous mettre à une nouvelle pratique de sport comme le yoga ou bien faire de la méditation. Bref, occupez-vous l'esprit avec autre chose qui nécessite que vous impliquiez physiquement. Et là, ça vous évite, ça vous éloigne un peu de la morosité, ça vous éloigne un peu des idées noires que vous avez parfois quand vous avez le mal du pays ou quand vous voulez rentrer chez vous. On sait qu'à ce moment-là, tout le monde vous énerve. Pratiquement, les gens, les locaux ont tendance à vous énerver. Vous prenez tout comme une attaque. Vous êtes plus sensible en fait à ce qui se passe autour. Et pour peu qu'il y ait un geste mal compris, bah, voilà, ça peut partir très loin. Donc, à ce moment, il faut essayer de recalmer les choses et de rentrer un peu dans ses esprits, on va dire comme ça. Et ça passe mieux en faisant la pratique d'un sport. Le quatrième conseil, c'est un peu lié au troisième, on va dire, parce qu'il s'agit d'avoir une routine. Il faut vous créer une routine. La routine, c'est ce qui vous fait le moins penser, avoir des pensées négatives. Parce qu'à partir du moment où vous avez une routine, où vous êtes occupé, vous avez moins le temps du coup de rabâcher, de penser tout le temps et d'être triste et tout ça, et de vous morfondre dans votre lit parce que vous êtes occupé, vous avez quelque chose à faire. Donc il faut vous impliquer dans des clubs, par exemple des clubs de lecture si vous aimez la lecture, des clubs de sport, des clubs de cuisine, je sais pas moi, des clubs pour discussion entre scientifiques. Bref, selon ce que vous aimez bien, trouvez un club et abonnez-vous à une activité qui va vous tenir occupé et qui va en même temps, pas une activité qui dépend uniquement de vous, parce qu'à ce moment-là, bah, si vous avez les idées noires, vous n'allez pas forcément le faire. Donc, engagez-vous dans un club, ayez même un poste à responsabilité, comme ça vous vous sentez obligé d'y aller. Et voilà, que vous ayez, que vous soyez triste ou pas, si vous êtes responsable, vous y allez. Et en même temps, une fois que vous y êtes, vous êtes obligé de faire ce que vous avez à faire, et ça vous éloigne
ce sentiment des fois de solitude, ce sentiment de tristesse qu'on a quand on a le mal du pays, parce que vous êtes engagé dans quelque chose qui est important pour vous et important pour les autres, parce que là vous n'êtes plus seul, il s'agit de jouer son rôle en fait, vous jouez votre rôle, impliquez-vous dans un projet qui compte vraiment pour vous, qui est important pour vous, que vous ne laisserez pas tomber, même si vous ne vous sentez pas bien quoi. Donc voilà, ça va vous engager, et une fois que vous êtes engagé, voilà, les responsabilités éloignent un peu de nous les mauvaises pensées. Donc voilà, travaillez dans un projet, travaillez dans quelque chose qui vous importe, et ça va éloigner de vous l'ennui, et l'ennui souvent ça nous ramène très vite vers des pensées qui vont très souvent vers ces endroits qui nous manquent, ces proches qui nous manquent, ces personnes qui nous manquent. Et voilà, on se retrouve, une fois qu'on est préoccupé, on se retrouve très vite dans le mal, à ressentir ce mal du pays-là. Donc voilà ce que vous pouvez faire pour éviter de vous retrouver coincé dans cette sensation d'être isolé au bout du monde. Le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'explorer, c'est-à-dire explorer le monde qui vous entoure. Donc, visitez un peu votre pays d'accueil, hein, visitez-le, ça va vous permettre de moins penser déjà à chez vous, mais en même temps, ça vous permet de découvrir, profiter de la chance que vous avez d'être dans un pays étranger, dans une culture étrangère. Apprenez, je ne sais pas moi, la langue du pays, si vous avez le temps, j'ai bien essayé, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Mais franchement, j'aurais bien aimé, moi, à la fin de mon séjour, pouvoir parler mandarin. Mais voilà, j'avais vraiment pas le temps avec le travail. Et du coup, je crois que j'avais pas trop également la motivation parce que voilà, ça c'est un autre débat. Explorer le pays, visiter, apprenez à connaître les gens qui vous entourent, vos voisins. Faites-vous des amis du pays d'accueil et ainsi vous pourrez peut-être plus apprécier l'endroit où vous êtes. Une fois que vous appréciez cet endroit où vous êtes, vous avez de moins en moins ce sentiment d'être loin de chez vous. Parce que c'est vrai que la maison, c'est la terre, mais la maison, ça peut être aussi les êtres chers, ça peut être des êtres qu'on apprécie. Et si vous appréciez le monde qui vous entoure, vous vous sentirez de plus en plus chez vous, peu importe où vous vous trouvez. Donc voilà pour mon prochain conseil, c'est ça, c'est explorer, découvrir, ouvrez-vous au pays d'accueil. Le sixième conseil, c'est d'avoir une échéance. Il faut absolument avoir une échéance. Quand vous n'avez pas, mais alors vous ne savez même pas quand vous serez capable de rentrer chez vous, je peux vous assurer que ça vous mine le moral, mais vachement. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a plus miné le moral parfois, c'est de ne pas planifier, surtout après l'épisode de COVID-19, là, ne pas savoir quand est-ce que je serais capable de rentrer. Voilà, moi, ça m'a plus mise mal de ne pas savoir quand est-ce que je pourrais rentrer. Il faudrait avoir, en fait, une date à laquelle vous raccrochez. Il faudrait avoir une échéance et compter les jours, si vous voulez, qui vous rapprochent de la date où vous allez arriver chez vous. Si vous ne pouvez pas vous permettre tout de suite d'y aller, planifier, que ce soit dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, mais vraiment planifiez-le de manière concrète, c'est-à-dire achetez même le billet d'avion pour que à ce moment-là, vous savez, un billet, on peut toujours l'annuler, on peut toujours le décaler, on peut toujours l'avancer. Mais au moins le fait d'avoir fait ce pas et de se dire, oui, dans 3 mois, dans 4 mois, je rentre chez moi, bah, ça vous fait déjà vivre moins, ça vous fait vivre de manière moins pénible le fait d'avoir 2 mois, 3 mois, 4 mois à être dans le pays. Quand vous n'avez pas de date et que c'est flou et que vous ne savez pas trop quand vous allez pouvoir rentrer chez vous, vous êtes plus sujet à avoir ce mal du pays parce que justement, vous ne savez même pas quand vous pourrez revoir votre terre. Donc voilà, ayez une échéance, ça compte beaucoup pour le mental de se dire que dans 2 ans, dans 3 ans, je vais rentrer chez moi. Ça vous aide à supporter parce que vous savez que vous supportez pour une période, que ça ne sera pas pour la vie. Et une fois que vous avez cette échéance en tête, bah, vous savez que vous n'avez plus que cette échéance-là, ce nombre de temps à passer et ça passe plus vite ainsi. Et le dernier conseil que je peux vous donner, du coup le septième, c'est de suivre l'actualité du pays, de rester sur l'actualité, c'est-à-dire par le biais du journal télévisé, sur Internet, par le biais de certains groupes de réseaux sociaux qui sont des groupes de ressortissants de chez vous. Rester attaché à l'actualité du pays, ça permet également
de ne pas être trop en marge lorsque vous rentrerez, parce que vous saurez à peu près tout ce qui s'est passé quand vous n'étiez pas là. Et voilà, et ça va vous permettre, ça vous permet également de vous sentir toujours connecté à votre pays. Donc voilà, vous savez ce qui se passe en temps et en heure, et vous êtes, vous sentez en fait toujours du pays. Parce qu'à un moment donné, quand on a mis tellement de temps hors du pays, on se sent comme illégitime. Voilà, en rentrant, on se sent un peu comme un étranger chez soi, parce qu'on a été coupé de tout ce qui se passe au pays. On ne sait même plus de quoi les gens parlent. Alors qu'en restant connecté, par exemple, à des groupes WhatsApp avec des jeunes de chez vous qui sont dans votre pays, si vous êtes jeune, hein, ou en fait des gens de votre âge, vous gardez le vocabulaire qui évolue également avec le temps. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie des uns et des autres. Vous savez quels sont les différents événements politiques, économiques, je sais pas, sociaux qui ont eu lieu au pays. Du coup, vous connaissez les références par rapport au pays. Donc, dans des discussions, vous n'êtes pas forcément largué d'apprendre que voilà, peut-être, je sais pas moi, le président, on a élu un autre président, des trucs comme ça. Vous êtes au fait de ce qui se passe. Donc, c'est un peu comme si vous vivez toujours au pays, même si c'est au travers d'un écran. Vous avez quand même cette connexion qui est maintenue avec le pays, et du coup, vous avez de moins en moins, vous avez moins, je pense, vous ressentez moins l'absence si vous restez connecté par ces biais-là, par ces réseaux-là. Donc voilà mes 7 conseils pour vaincre le mal du pays, et ce sont des conseils que moi j'ai appliqués et qui m'ont permis de moins ressentir la solitude en Chine. Parce qu'on n'est pas toujours très proche d'une communauté, par exemple camerounaise, je suis camerounaise, c'est pour ça que je dis ça. Vous ne pouvez pas toujours être directement au sein d'une communauté de votre pays ou bien une communauté de votre continent. Et donc à ce moment-là, vous pouvez vite vous sentir très seul, très isolé, vous pouvez sentir que personne ne vous comprend, vous pouvez vous sentir vraiment à l'écart. Et donc ces petits conseils peuvent vous aider à vous à moins vous sentir seul, à vous éloigner également de ce sentiment d'être à part. Donc voilà, je ne sais pas si ces conseils marcheraient pour vous, mais en tout cas ça marche pour moi, et donc je les partage avec vous dans cette vidéo. Si vous avez apprécié, surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager.